Bonjour les gens, aujourd'hui je voulais jouer à Heroes of the Storm avec mes potes. Malheureusement, apparemment la bêta ou l'alpha ou peu importe a été mise à jour et maintenant les Européens et les Américains ne peuvent plus jouer ensemble sur le même serveur. Donc tant pis, je jouais tout seul, écoute. Ça m'arrange pas des masses, mais bon. En plus, apparemment, il y a des soucis d'authentification sur le serveur européen, donc c'est doublement la joie. Je cracherai pas sur un tank là dans cette équipe. Évidemment, ça peut paraître un peu idiot de dire ça alors qu'il y en a un à ma gauche, mais enfin à ma droite techniquement. Mais je parle d'un tank dans le rôle de tank, disons. Après, j'aime bien jouer en compagnie d'un hammer généralement. Ah. Ok, quelqu'un est déconnecté visiblement. Okay. Donc il y a bel et bien des problèmes d'authentification sur le serveur européen, cool. Je suis d'autant plus heureux de ne plus pouvoir jouer avec mes amis américains, du coup. Vraiment débile, cette décision de créer une ségrégation entre les communautés comme ça, c'est vraiment complètement stupide. Au moins, le matchmaking est rapide. Ok. Je vais sans doute jouer en compagnie de Raynor, je pense. Oh, j'aime pas cette map. J'aime pas cette map. La moins originale du lot, je trouve. Enfin, c'est la moins intéressante, disons. Le problème, c'est que Raynor, il cause pas tant de dégâts que ça, donc... je pourrais jouer en compagnie de Muradin aussi, mais... c'est que Muradin, il a déjà un heal, donc je sais pas s'il a vraiment besoin de support. On verra. Généralement, j'aime bien être avec quelqu'un qui est capable de tuer des gens. Parce que comme j'ai un stun... je peux stunner un monsieur pour que mon collègue lui en mette plein le visage. C'est un des avantages de Hutter, de Lightbringer, sur ses petits camarades. Vu que je cause pas spécialement de dégâts moi-même en tant que support. Je m'étonne que c'était une décision super sage, l'ami. J'espère que le son est assez fort. Il y en a déjà un qui est en train de se plaindre. Ok, visiblement des problèmes avec les talents. 3, 2, 1, kill! Fight! Spread my spores! Ouais, il y a visiblement des problèmes de connexion sur le jeu. Mais écoute, je suis pas affecté donc je vais pas me plaindre, mais. Bonjour toi! Ah, t'as intérêt à courir, hein? T'as plutôt intérêt à courir. Ouh, y a de quoi faire un beau gank en bas là, j'espère que je vais arriver à temps. Peu probable, mais bon. Ok. Bonjour. On fait les mains. Et là. Bon, après à ce stade de la partie, tuer quelqu'un n'est pas forcément hyper utile, mais bon. Ah, il revient. Heroes, night will fall in just a few moments. I hope you're ready. Ah, rien ce que tu fais, mec. Ouais, enfin, envoyer quelqu'un de support au milieu, ça va servir à beaucoup de choses, mec. C'est vous qui êtes censé être au milieu, les gars. Un joueur va vous déranger. Donc pour ceux qui connaissent pas cette map, le concept c'est qu'il faut flinguer des groupes de monstres plantes pour ramasser des espèces de petits
bonus au sol, la perme, qui vont nous permettre de, d'invoquer. Elle est morte. Ils vont nous permettre d'invoquer un gros monstre qu'on va pouvoir ressusciter. Moi je suis décédé là, mais ça m'a plutôt pas mal rapporté en fait. Voilà ces espèces de petits machins là. J'ai envie de mourir toi ou... On verra sur cette de la partie, mourir est pas vraiment dangereux. Par contre, le radin en haut, je sais pas ce qu'il glande, mais bon. Ouais, ça, ça va être rentable. Parfait. Donc on est à 87 sur 100, ce qui est plutôt pas mal. J'ai assez mal géré mon coup là. Lui il va rentrer dans son camp, c'est pas la peine de se prendre la tête. Laisse-le partir, c'est pas lui l'objectif. Le healer par contre là il est dangereux. Oh, s'il se fait stunner un deuxième coup lui, boum! Ah, c'est moi qui l'ai tué visiblement. Pourtant, je cause vraiment des dégâts quasi inexistants avec. Avec mes attaques de base, donc c'est assez surprenant. Eh ben. Écoute. Visiblement une bonne journée pour nous. Chut, reste pas là-dedans, mec. Ça m'apprendra à lire mes talents. Pendant que je me bats. Donc là, on a récupéré suffisamment de petites plantes. Pour faire pousser ça. Et à terme, je vais peut-être prendre ça pour moi générer un coup. Et à terme, ça va nous permettre d'envoyer ce gros monstre. Je sais pas par quel. Ok, ils attaquent par la laine du bas, donc je vais aller leur filer un coup de main. Je dois isoler le healer en premier. Oh, c'est dommage, il était pas loin d'y passer, là. Le mec, c'est un peu ton rôle d'attaquer, là. J'ai le tour. Ça, c'est bon, ça. Oh là là, il lui reste 2 points de vie, lui. Bon, c'est pas grave, une deuxième tour pour le fun. Le radin, visiblement, il a pas compris que c'était un jeu auquel il fallait jouer en équipe. Le nôtre, hein, je parle, pas le leur. Non, ça me déçoit beaucoup, ça, une fois de plus. Ouais, cette fois-ci tu y passes. C'est pas grave, vous pouvez me crever les mecs, ça me dérange pas les mains, je suis encore vivant après donc. Bien bouffe. Par contre ils vont sans doute flinguer ma collègue là, ça m'arrange pas ça. Non c'est bon, elle a réussi à s'échapper, parfait. Je suis retour dans 10 secondes, on leur a flingué 2 tours et un fort. Plus un puits, donc c'est plutôt cool. Tout à fait rentable. On va aller assister Falstad. Ok, ils vont prendre les meilleurs classes, ce qui n'est pas une mauvaise idée d'ailleurs. Hein. Ah, surtout qu'ils sont en train de les attaquer, faut vite que j'aille l'aider par contre. Oh, c'est pas bon ça, mec. Si tu te fais prendre en... Ouais, voilà. Ouais, non, ça c'est pas bon du tout, faut pas attaquer les mercenaires là. Heureusement, on peut avoir un peu d'aide là, les gars. Merci. Alors, tu aurais mieux fait de rester chez toi. Tu verras tout là aussi, visiblement. Double kill.
Oh, si je peux te choper, toi, non, t'es trop loin, c'est pas grave. J'ai plus les masses de vie, là, par contre, les mecs. Tiens! J'ai fait un courrier, bon c'était prévisible avec la vie qui me restait, c'est pas grave. Soigner mes potes. Ok. Donc là on a capturé le camp de mercenaires pour les attaquer. Faut que je fasse gaffe quand même à pas mourir trop souvent parce que malgré le fait que c'est très peu d'influence sur la partie pour l'instant, puisque ça fait partie du délire lorsque tu joues Aether. De mourir vu qu'il ressuscite en forme d'esprit pendant quelques secondes après. C'est quand même pas très intelligent de ma part. J'aurais dû m'enfuir là si j'avais été malin. Oh Raynor, tu prends des risques en même temps, je parle, j'ai fait la même chose tout à l'heure donc. Et... je vérifie qu'ils sont pas en train d'attaquer nos mercenaires. C'est souvent une idée à la mode. Ok, bon, on va repusher avec l'horreur des monstres plantes là. J'imagine qu'ils vont une fois de plus passer par en bas là, ou pas. Attendez-moi les gars, j'arrive sur mon super cheval. Ouais, Raynor, je crois que... on est de rentrer chez toi, fils. Donc là, évidemment, on va laisser le monstre plan de tanker pendant que nous, on travaille discrètement derrière. Oh, attention à l'Hyperion. Donc là, l'espèce de cercle rouge qui avance, c'est le... c'est l'ultra de... l'ultra de Raynor, qui lui permet d'appeler l'Hyperion à la rescousse. Toi, t'aurais mieux fait de pas t'arrêter, mon vieux. Et ça, les gars, venez me coller à côté de moi, c'est une super bonne idée, généralement. Et crève. Et ça, c'était plutôt une bonne idée. On va soigner Muradin pendant ce temps-là. Ça, ça va soigner mes potes, attaquer les tours. Ouais. Un petit coup de main à Falstaff pendant ce temps-là, surtout qu'il y avait Zeratul qui était en train de s'approcher discrètement, donc Zeratul est toujours discret. Il faut défoncer le fort et reculer, je pense, les gars. Ouais, toi, t'es prenable. Boom. Du coup, t'es prise. Toi, t'es prenable aussi, du coup, t'es pris. Oh, il est hors de portée, c'est pas grave, ça a soigné mes potes, c'est le principal. Par contre, là, les gars, faudra peut-être se tirer, je pense. Ah, vous voulez pousser? C'est un petit peu... ambitieux, peut-être. Attention à l'Hyperion. Ouais, je pense que Raynor a la meilleure idée. Attaquer les mercenaires est bien plus intelligent que d'attaquer leur base. Excellente chose de faite, on va laisser faire cela aussi. Oh, attention à Zeratul derrière. Je sais pas ce qu'il a voulu faire lui, mais attaquer à 1 contre 4, c'était pas la meilleure idée qu'il a eu de sa vie. Ça c'est extrêmement bon à prendre. J'avais même pas vu qu'ils étaient sortis eux, dis donc. Là ils vont pas tarder à nous sortir le leur malheureusement. Oh, c'est bien joué que ça part, ça. It's over for now, but don't get too comfortable. The infested will return again. Oh, on a plein de mercenaires, ça c'est bon là. Ouais, si on prend ce camp là, ils vont vraiment se faire pousser dans tous les sens. Attention à Brightwing. Ok, il se barre.
Comment on vient ce sort là qui cause des dégâts et qui soigne mes alliés sur le passage? Il permet d'avoir toujours au moins un truc utile à faire avec. Donc je pense qu'on peut aisément attaquer là. Voilà, eux ils vont tanker les tours. Parfait. Voilà, les chevaliers sont arrivés aussi. Oh, puis il y a Raynor qui sort son ultimate, donc ça c'est l'autre ultimate de Raynor, les Banshees. Il a tendance à être un petit peu plus efficace, j'ai l'impression, depuis la dernière fois que j'ai joué au jeu. Avant c'était vraiment la moins bonne des deux, maintenant ça se discute. C'était pas très malin, Sonia. Bon, ça sent mauvais pour vos fesses, les gars. Sans vouloir critiquer. Ça sent pas très bon pour vous. Soigné. Oh, tu prends des risques, le Demon Hunter, là. Mon sort de son est en cooldown. Voilà. Et voilà, donc c'était vite fait, cette partie. C'était vite fait. Mort un peu trop souvent, mais bon. On a gagné, donc c'est le principal. Ouais, 3 morts, c'est un peu ridicule, c'est pas grave. Bon, plutôt cool cette petite partie. Il est fun ce jeu lorsqu'on tombe avec des bonnes équipes. Après, quand tu tombes avec des mauvaises équipes, c'est assez difficile de s'amuser. C'est d'ailleurs pour ça que je regrette vraiment qu'on puisse plus jouer avec les Américains, vu que tous mes potes sont sur la bêta américaine. Enfin bref, ciao tout le monde.